Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode numéro 8 de Cavel découvre l'Europe. Donc aujourd'hui dans cet épisode là, qu'est-ce qu'on va raconter? Donc je vais encore vous parler des modes, donc vous voyez toujours le camion. Donc les modes, bon ça va aller vite pour en parler. Ensuite je vais vous parler un petit peu de ce que je veux faire en troisième vidéo du week-end et tout, comment ça va se passer. Voilà, après je vais parler vite fait de l'entreprise, les petits changements qu'il y a eu dans l'entreprise. Et après, je vais prendre la photo et après, je ferai une dédicace, bien sûr. Ensuite, donc voilà, donc je vais revenir dans quelques instants après la petite introduction. À tout de suite. Donc nous voilà de retour après cette petite introduction. Donc on va commencer à y aller. Donc on va sortir de ce garage de... Parce qu'on n'a pas de temps à perdre de ce côté-là, côté conduite. Merci. Oh si, c'est sorti. On n'a pas du tout le temps à perdre, donc on va y aller. Donc on va y aller tranquillement. En savant qu'on roule pas plus vite que 70. Est-ce que c'est bon? Donc on s'est reposé et tout quand même, c'était mieux. Donc voilà, donc pour les modes, j'utilise toujours la même chose. Donc je suis toujours en 1.15, moi. Pour les modes, j'utilise toujours la promenade 1.83, qui est vraiment une super belle map. Pour ceux qui disent que faut mieux que j'aille sur la TSM, je sais pas où ils ont vu ça. C'est un petit peu n'importe quoi, je crois. Ça c'est sûr. Pour la radio, donc la radio, j'ai mis une radio internationale. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça, il n'y a pas de radio locale avec moi. Voilà. Donc, je voulais dire, pour cet épisode-là, on va parler. Je vais dans les modes. Donc, j'utilise. Donc, je suis toujours sur la mode 1.4, la promo mode 1.83. Donc, vraiment une super map bien faite et tout. Moi, j'aime pas trop. Alors, il y a un gars qui m'a parlé de la TSM 5.3. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Alexandre, je sais plus comment. Bon, c'est pas grave, c'était dans les commentaires de l'épisode précédent. Moi, je lui ai répondu que moi, je préfère la promode et que la truck sip map était très mal... comment expliquer? Elle était mal... mince. Il y a de la quantité, mais il n'y a pas la qualité. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas la qualité sur cette map-là. Et c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Ensuite, par rapport au mode, donc j'utilise toujours le Volvo Tandem que vous voyez ici. Je vais sortir un petit peu, voilà. Donc j'espère que c'est le dernier épisode que j'utiliserai. Donc on va y aller quand même, on va pas retourner au vert. Ensuite, pour la neige, j'ai toujours la Winter Mode 2.1 Donc avec l'extrême et tout ça, donc ça veut dire que je roule douce, pas vite. Je peux aller, je mine avec ce camion là, j'irai à 70 maximum. Bah, c'est déjà pas mal, mais non, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est embêtant. Là par exemple, vous voyez, je suis à 25 km/h. Bon, c'est normal, je suis en montée aussi, donc c'est pas facile. Voilà. Donc ensuite, alors j'ai toujours les rails compagnie comme d'habitude, ça, bon, on change pas les habitudes. J'ai toujours le rail gasoil, tout ça par rapport aux marques. Voilà, donc voilà. À partir de la semaine prochaine, si j'arrive à finir cette livraison dans cette vidéo là, donc il y aura des petits changements. Il y aura plus de je vais changer de camion. Vous verrez ça la semaine prochaine ce que j'aurai. Donc déjà, j'ai l'idée du camion. Ça y est, j'ai déjà essayé tout le camion. Donc vous allez voir ça la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc il y a certaines personnes qui savent déjà ce que ça va être. C'est ceux qui me suivent sur qui sont avec moi sur TeamSpeak. Voilà. Donc mais les autres ils ne savent pas. Voilà. Ensuite par rapport au mode. Alors la semaine prochaine il y aura aussi une nouvelle partie de map qui va arriver.
Donc j'ai essayé vite fait la map. Donc cette map là, j'ai vu une vidéo de L7C Fox vendredi qui parlait de la map. Donc c'est la ROMAP, je peux vous le dire maintenant. Alors, il disait qu'elle était un petit peu vide. Alors, donc j'ai bien essayé la map. Et c'est, non, pas un peu vide, mais elle était un petit peu. Ouais, il manquait des choses dessus. Alors moi, je vais vous dire un truc sur la map, je vais la mettre, je vais essayer de vous la montrer. Donc si j'arrive à aller jusqu'à la ROMAP, ça va être dur quand même d'ici là. Mais moi, je l'ai vue et je la trouve un peu vide la map. C'est un peu dommage, mais je la trouve vraiment un petit peu vide. Donc c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc pour la map, bon, on verra ça la semaine prochaine. Elle sera présentée la semaine prochaine avec les nouveaux modes qui arriveront sur le truc. Sur la vidéo Cavell découvre l'Europe. Voilà. Donc là, on va y aller tranquillement. On va commencer à y aller. Donc côté mode, bon, c'est les mêmes modes que la semaine dernière. Donc je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'en parler plus de sur les modes, vu que c'est les mêmes modes que la semaine dernière. Donc si vous voulez aller voir des choses, bah, je vais repartager sur la description les modes si vous voulez les avoir. Sinon, bah voilà. Voilà. Donc on va y aller tranquillement. Là on roule déjà 60. C'est déjà pas là. Pourquoi les... Je cherche la touche pour les essuie-glaces. Ah voilà, je les ai trouvés. N'importe quoi. Donc là, je roule un peu plus vite que dans l'épisode avec Kenworth, si vous vous rappelez. Je roule à 60. Donc à partir de la semaine prochaine, j'enlèverai aussi l'extrême pour aller un petit peu plus vite. Donc là, on a passé les périodes de Noël et tout. Donc l'extrême, c'est plus très important par rapport à la semaine dernière. Voilà. Par rapport à aujourd'hui, par rapport à maintenant, c'est plus important. Donc je vais enlever l'extrême parce que c'est quand même gênant. Ou là, 60, voilà. C'est quand même assez long. On n'est pas prêt d'arriver surtout. C'est ça mon problème. Là, je suis en train de rebaisser. Donc on va changer de vitesse. On roule plus vite qu'avec le Kenworth. Si vous vous en rappelez, il y a deux épisodes de ça. Avec le Kenworth, je roulais à 40, 35, 35 de moyenne. Là, je monte quand même à 60. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Je vais le remettre en 9e parce que tant que... Voilà, voilà. Donc ensuite pour le... maintenant je vais vous parler du truc que je voulais mettre en place. Donc pour les multijoueurs... en 3e vidéo du week-end. Donc j'en ai parlé vite fait pour ceux qui me suivent sur Facebook. Sauf que le problème c'est que tout le monde ne me suit pas sur Facebook. Voilà, donc Facebook, n'importe quoi. Oh là, ça y est, je commence, je raconte n'importe quoi. Donc pour les vidéos, donc le premier week-end de la semaine, donc ce sera le premier week-end du mois, ce sera Minecraft. Donc je vais vous proposer une fois par mois Minecraft en premier week-end du mois. Donc bien sûr en multijoueur. Ce qui veut dire que si il y a un let's play qui commence en semaine sur Minecraft, ce sera pas en multi, ce sera en solo. Voilà. Non, mais je pense pas que je fasse de space sur Minecraft. Donc on va dépasser les voitures. Mais à mon avis, ils vont me débarrasser de moi. Ah, je sais pas. Ah, peut-être pas. On se rabatte sur la droite. Mais on doutait qu'ils allaient se débarrasser de moi. Voilà, donc Minecraft. Ensuite, les vidéos. Donc Minecraft, on pourra accueillir jusqu'à... maximum peut-être 5-6 personnes. Donc le serveur il est hébergé par quelqu'un d'autre avec Amashi. Donc ceux qui sont intéressés à venir me rejoindre sur Minecraft vont me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Là on recherche du monde, donc c'est vraiment une toute nouvelle ville, une toute nouvelle map par rapport aux deux premiers épisodes. Tiens, je suis fatigué, super. Donc c'est vraiment une toute nouvelle map par rapport aux deux premiers épisodes. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer ça, tout ça, on vous expliquera ça tout ça dans le premier épisode, le troisième épisode 3. Donc si vous êtes présent dans l'épisode 4 le mois prochain, faut me contacter, bien sûr. Ensuite, oh là je roule à 90, ça pourra faire que ça m'arrive. Encore un petit peu plus vite. Ensuite, par rapport à la deuxième vidéo du mois, ce sera Farming Simulator 2015. Donc toujours en multi bien sûr. Donc là j'accueillerai pas plus de 2 à 3 personnes. Voilà. Donc ceux qui veulent venir me voir, me contacter, il n'y a pas de problème. Donc j'ai déjà fait 3 épisodes auparavant. Donc chacun avec une personne, dont les deux derniers avec une autre personne que je vais lui dire bonjour dans cette vidéo, à Coco Gaming, qui n'a pas pu venir dans la partie, mais il est venu avec nous dans
la vidéo pour parler. Voilà. Voilà, voilà. Donc, trois personnes, donc pareil, vont me contacter. Donc, c'est ma partie privée. Donc, il risquerait que vous lâcherez un petit peu. Voilà. C'est sûr et certain même. Donc, ça, ce sera pour la deuxième semaine du week-end. Deuxième semaine du mois pour les ces vidéos de... je suis en train de m'endormir. J'espère trouver une... J'espère pouvoir dormir avant la fin de l'épisode. Pas avant la fin de l'épisode, avant la fin de la livraison. Je croyais avoir dormi, donc non, je me suis trompé. J'avais pas dormi. Je me suis trompé. Donc là, vous avez vu, je vais un tout petit peu plus vite. C'est une bonne nouvelle. Ça fait pas comme l'épisode précédent. C'est de la chance, pas possible. Voilà. Donc, ensuite, pour la partie... pour la partie, bon, on n'a pas fini avec les vidéos. Par contre, je reviens, je vais faire échappe. J'ai un petit souci, je trouve que le camion passe en dessous de la musique, c'est pas normal. Donc, vous entendez bien le camion, bon, le tolben. Oh, j'ai trop baissé. Oh, excusez-moi. Attendez, je vais retourner de l'échappe. N'importe quoi, en pleine vidéo, je suis en train de régler. Bon, c'est bon. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu calme, c'est un peu mieux. Donc, bah, on y va, on repart. Voilà. Donc, j'ai trop ralenti, là. Faut que j'accélère. Déjà, sur la neige, j'ai du mal à aller vite. Oh. Voilà, donc par rapport à l'épisode ensuite, donc on va continuer avec ces réglages de son et tout ça, n'importe quoi. Au plein milieu de la vidéo avec les réglages de son, bah, c'est pas très grave, mais voilà. Donc ensuite, pour l'épisode, la troisième semaine du mois. Donc la troisième semaine du mois, je vous proposerai ETS2 être routier en multi. Donc bien sûr, donc ETS2 être routier en multi, ça se passera sur trois choses différentes. Donc ça se passera en première partie, il y aura le convoi entreprise qu'on fera une fois tous les 3 mois. Ou moins, ça dépend quand on est, peut-être pendant les grandes vacances, j'en ferai un petit peu plus du multi, on verra ça. Donc à part si je travaille bien sûr, parce que c'est bien, moi ceux qui travaillent ne sont pas en vacances, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc on verra ça. Donc sinon je ferai du multi en ETS une fois par mois, donc tourner le dimanche surtout. Et ça sera souvent posté le lendemain, le lundi ou le mardi si je peux vraiment, si j'ai vraiment de temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc donc là c'est pas facile, là je suis en train d'accélérer comme un bœuf. J'espère pouvoir finir cette livraison, de toute façon il reste combien de kilomètres? Oh là, faut que j'aille dormir. 166, on va aussi à l'aise, on finira à l'aise la livraison. À l'aise, à l'aise. Fallait voir ça. Donc ensuite, pour la quatrième vidéo, de, donc je voulais dire, je peux finir avec ETS2. Donc pour Truck Simulator 2, il y aura le convoi entreprise une fois tous les 3 mois. Donc le convoi entreprise, bien sûr, ça va être les conducteurs de mon entreprise. À part s'il y a une autre personne qui veut s'inviter, par exemple, l'autre fois, il y a Nikosov qui était intéressé de tourner une vidéo avec nous pour présenter notre entreprise. Donc moi, je suis toujours d'accord pour la faire. S'il m'entend, bien sûr. Donc sinon, le convoi entreprise, c'est tous les dimanches, la 13e semaine du mois. Voilà. Ensuite, la semaine, tous les dimanches du 3e semaine du mois. Tous les 3 mois, le 3e semaine du mois. Voilà. Ensuite, par rapport à l'entreprise, ça c'est bon. Merde, que je fous ici. N'importe quoi. J'ai pas vu que la route elle avait été ici. N'importe quoi, moi le gars. Ah là, j'ai fait fort quand même. J'ai même pas vu que la route allait être ici. Donc là, on va passer par là. Hop.
Voilà, donc je voulais dire quoi. Ensuite, excusez-moi, je suis en train d'écouter un peu la musique. Bon, j'espère pas avoir de problème de droit d'auteur. Moi, je vais baisser le son, donc ils n'entendront pas vraiment la musique. Voilà, donc là, on va arriver direction dans l'épisode. On va arriver de l'autre côté, là, on va arriver en Suède ou en Norvège, je sais plus. Tiens, un petit scooter, n'importe quoi. Ah, le gars, il parle de scooter. Donc, on ira dormir de l'autre côté si on peut. Elle est où là? Ah, faut monter. Attendez, je me concentre un peu parce qu'avec le tandem, c'est pas facile. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti pour un petit voyage en bateau. Donc, on va à Kristianland, voilà, embarquer. Donc, voilà. Donc, je voulais dire, donc, voilà, donc, la deuxième semaine, ce sera le convoi abonné. Donc, j'espère pas avoir autant de monde que la dernière fois. Ah, il a dormi un petit peu, on va le faire dormir quand même. Bon, non, on est juste à côté, pourquoi le faire dormir? Ça sert à rien. Donc, le convoi abonné. Donc, on arrive au lieu de livraison Christian Send. Oh là, mais je suis passé par où? N'importe quoi. Donc, on va essayer de passer ici, c'est pas grave. Donc, je disais. je suis en train de faire des conneries en même temps. Non, excusez-moi. Sinon, je disais. Est-ce qu'on va pouvoir sortir? Ah, oui, ça. Attendez. Voilà. Donc, soit un convoi abonné aussi, ça peut être aussi un convoi abonné, bien sûr. Donc, on verra ça la semaine. Ça, convoi abonné ou aussi une course organisée par plusieurs youtubeurs. Donc, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, il y en aurait une qui sera prévue au mois de février. C'est même sûr. Donc, vous verrez ça. Vous allez comprendre comment ça se passe. Voilà. Ensuite, encore certains mois, donc certains mois, la quatrième semaine. Donc la quatrième semaine du mois, ce sera SimCity. Par contre, je vais prendre la photo maintenant. On va prendre la photo ici. Excusez-moi, je fais tout à l'inverse parce qu'on est bientôt arrivé. Donc on va prendre la photo maintenant. Donc on va prendre la photo comme ça, voilà. Donc saturation, non. Voilà. C'est bon, on a pris notre photo, donc on peut y aller. On va prendre le camion. Donc j'étais obligé de prendre la photo maintenant, en fait. Donc voilà, donc je voulais dire. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé. Donc la quatrième multi qu'on va faire. Donc le quatrième, ce sera SimCity. Donc SimCity en multi avec de nombreuses personnes. Donc, je pourrais faire venir jusqu'à 16 personnes parce que je prends une map à 16 places. Donc bien sûr on aura une ville chacun. Donc ça sera la quatrième semaine. Donc je vous en parlerai la dernière semaine du mois de janvier. Et pour certains mois, vous avez 5 semaines dans le mois. Donc ça veut dire que dans ce mois-ci, on va faire une vidéo un peu plus. On va faire soit du Star Wars Old Republic, soit du Payday 2, ou soit du Arma 3 quand je jouerai les deux autres jeux. Pour l'instant, ce sera Star Wars Old Republic au début. Voilà. Donc là, au mois de janvier, vous n'avez pas 5 semaines, donc on est tranquille. Voilà, n'importe quoi. Donc là, voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous parler. On a pris la photo déjà, donc c'était pas prévu que j'apprenne avant. Mais j'ai pris la photo, donc c'est déjà bien. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler vite fait de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle a été réorganisée. Donc je vous en ai déjà parlé à l'époque, il y avait deux patrons, maintenant il n'y en a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un patron, donc c'est moi-même qui gère tout. Et derrière, vous avez trois recruteurs et un organisateur. Donc les trois recruteurs, les trois recruteurs, c'est Waka, l'ancien second, Cobra 11 et Valentin. Voilà.
Donc je vais dire bonjour aux trois qui sont là. Donc s'ils regardent la vidéo, ce serait pas mal. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, on a aussi on a aussi un organisateur. Donc l'organisateur, c'est celui qui s'occupe des fiches de route et tout ça. Donc c'est bien sûr, c'est bien sûr, c'est Daragan, un ancien recruteur en fait. Donc voilà. Là, on a fait le tour de ce côté-là, de tous les recruteurs et tout ça. En fait, ensuite, donc maintenant, je vais vous parler du... Mince, j'ai frotté le camion contre le trottoir. Allez, où l'entrée? Allez, là. Voilà. Donc, le recruteur, c'est bon. Donc, ensuite, je voulais vous dire quoi aussi par rapport à cette vidéo. Donc, là, c'est la réorganisation des entreprises. De l'entreprise. Donc, aussi, côté réorganisation, on a changé le nom de l'entreprise. Donc, maintenant, elle s'appelle plus ETK avec YouTube comme avant. Maintenant, elle s'appelle la TK, l'entreprise. Donc, tout le monde croyait, il y avait des gens, Titi du Retro, qui par exemple, qui croyaient qu'il y en avait qui étaient partie de mon entreprise. Non, non, personne n'est parti de mon entreprise. C'est bien sûr, c'est le changement de nom qui fait l'effet de ça. Donc, je sortais du camion. S'amuser un petit peu parce que je suis pas habitué de faire une marche arrière avec un tandem. Attendez. Donc voilà le petit Volvo tandem de l'extérieur. Avec un camion simple, c'est beaucoup plus facile pour faire une marche arrière, ça c'est sûr. N'importe quoi. Attendez, je me concentre un peu. Voilà, donc on va repasser en intérieur maintenant, il va regarder par le rétroviseur. Donc un Volvo tandem quand même, c'est pas si facile que ça à reculer. Bah pas qu'un Volvo tandem, tous les tandems confondus bien sûr. Donc c'était vraiment pour me mettre droit, comme ça je pouvais me remettre à l'intérieur. Donc attendez, je vais bientôt finir, j'espère que ça va marcher. Ah voilà, c'est bon, on a fini notre livraison sur cet épisode là, donc je croyais, ah bah on est en retard, bon c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc bah on a quand même fini le sujet de l'entreprise et tout ça, donc on va y aller. Donc comme je disais, donc l'entreprise maintenant elle s'appelle la TK sur le multijoueur. Donc si vous voyez des personnes qui s'appellent la TK dans le multi, c'est mon entreprise en fait. Donc voilà. Ensuite pour l'entreprise, donc on a une couleur définie maintenant. Alors la couleur c'est... j'allais découvrir un petit peu la ville. Comme il reste du temps, on va découvrir un petit peu la ville. Donc on va aller acheter le garage, acheter tout ça. Donc on va tourner à droite parce que je voudrais voir ce que c'est le point d'interrogation. Donc oh là, je roule sur les trottoirs moi. Donc je voulais dire, donc voilà, j'ai fait le tour de ce côté là. Donc le point de l'entreprise, elle est devenue donc la TK. Aujourd'hui on a 23 conducteurs. Donc peut-être un autre qui va rentrer après, je sais pas, on verra. Donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite côté dans l'autre, j'ai tout raconté sur l'entreprise. Donc en parlant de l'entreprise, donc là on va passer à un autre sujet. En parlant de l'entreprise, on va faire une dédicace. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai tout tapé qui moi? J'ai touché une voiture avec mon camion. Bah, elle est repartie. Ouais, c'est bizarre. Je croyais pas avoir touché une voiture avec mon camion. Je me demande s'il n'y a pas un défaut sur la route. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Donc je disais, ouais, l'entreprise, je vais faire une dédicace. Donc la dédicace, elle est pour Extreme Atomics.
parce que pour ce qu'il a fait avec l'entreprise, en 15 jours de temps, il a été le conducteur qui a fait le plus de kilomètres, donc du 16 décembre au 30 décembre, et c'était aussi le conducteur qui a fait gagner le plus d'argent à l'entreprise, à part moi, bien sûr. Donc, je rigole. Bah oui, c'est moi, cependant, les deux premiers mois, c'est moi qui ai gagné le plus d'argent. J'ai gagné 2 900 000, et Dara et Extreme Atomics, lui, il a gagné 2 800. Donc lui, je lui fais une petite dédicace, parce qu'il a déjà parcouru 47 000 km en 15 jours. C'est énorme. C'est plus que Dara au premier coup, quand j'ai fait sa première dédicace. Voilà. Donc, dédicace à Extreme Atomics, donc je lui dis un bonjour. Donc, voilà. Donc, on va acheter ce garage-là. Donc, on va rester là. Donc, voilà. Voilà. Bon, il n'y a pas une grosse vue à voir ici. Donc, on va aller faire un petit tour encore parce qu'il nous reste un petit peu de temps. On va aller voir ce qu'il y a dans cette ville. On va voir ce qu'il y a dans cette ville. On va aller visiter un peu la ville. Donc là, on va abandonner mon camion là, à la fin de cette vidéo. Donc là, on a été un petit peu plus vite avec le Volvo qu'avec le... Je croyais pas pouvoir... Mince, j'ai encore enlevé. Oh là, les accidents. Oh les failles. Encore une deuxième voiture percutée. Je fais pas gaffe à ce que je fais. N'importe quoi. Ça devient du gros n'importe quoi, ma conduite. Faudrait que je m'améliore un peu parce que là, je suis un cauchemar pour les voitures. Donc là, on va aller directement au garage à acheter. Ah non, on va tourner à droite et à gauche en fait. Un petit changement, on ira au garage à acheter après. Au garage à acheter. Au garage à réparation après. Donc elle est vraiment jolie cette ville là. Là, je suis en train de me promener à l'intérieur de la ville. Et moi, j'aime bien. Avec des maisons à coller, des immeubles anciens. C'est impeccable. Là, vous voyez la neige qui s'écarte. Donc, vous avez vu, il n'a pas neigé non plus là. Donc, voilà. Ah, ça fait un peu bizarre. Des maisons à coller avec FedEx au plein milieu. Ça a quand même un petit goût bizarre, cette ville. On va passer au vert et on va tourner à gauche. Donc voilà. Donc là, on passe devant l'entreprise Man. Ok. Donc on a découvert Man. Donc on va aller directement. Oh là. J'arrive trop vite là. Voilà. Donc on arrive. Oh. Garage de réparation. Donc on va s'arrêter là. Donc je vais vous montrer un petit peu la vie extérieure du camion. Donc au prochain épisode, je serai au garage à acheter, je pense, avec le nouveau camion. Donc voilà. Donc voilà la vue de l'extérieur du camion. Donc bah, je vais vous laisser là sur cet épisode numéro un peu plus, ça fait bien. Numéro 8 de Camel Découvre l'Europe. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.